Salut la famille, bienvenue sur notre chaîne Buzz Pro Box TV, la chaîne du Japap et du Better Way, c'est de ça qu'il s'agit. Nous sommes là, nous les soi-disant blogueurs, pour vous donner les infos là sur mieux et dur, oui. Hein la famille, voici le challenge, le nouveau challenge, oui, d'un morceau de Kiss Daniel que... Fatou y a cela quelques jours, elle fait les préparatifs pour ça, elle a posté certaines vidéos des préparatifs, c'est mon UDA 4 millions de vues et tout, mon frère, ma soeur, tu fais comment pour avoir les vues là? C'est la sorcellerie seulement. Donc voilà, maintenant les casiers, j'ai vu concurrence, on compare Fatou avec qui, tel, pour finir, la finale c'était Fatou contre Sagaba, vous avez Fatou non? Elle fait toujours la finale, des trucs comme ça. C'est devenu son truc, son fort, les challenges, les trucs. Un certain Sagaba du Mali. Je ne connaissais même pas celui-là. C'est maintenant que je l'ai découvert avec le challenge ici. Je suis allé voir, j'ai encore pas. Non, donc c'est Sagaba, c'est le Mali qui gagne cette fois-ci. Donc non, c'est le Sénégal. Non, c'est pas. Je suis parti voir, donc j'ai amené la vidéo comme vous voyez là. Ouais. Soit tu vois, le gars est fort. Sagaba fait ce challenge à cela un peu plus d'une semaine. Et ça a déjà 16 millions de vues. Ah ouais. 16 millions de vues. C'est chaud. Je suis parti, je vois. Fatou a posté ça. Mais Fatou a posté ça en 2 heures de temps. Elle a eu plus de 1 300 000 vues en 2 heures de temps. Plus de 255 000 likes. Je comprends pas ce que les gens s'y font même souvent. Les likes, vous voyez, les vues et les likes, vous faites ça comment? Si un secte que vous êtes rentré là pour mon frère, pas le Sagaba, une c'est plus, mais 16 millions de vues. Hey! Il y a les chiffres que non, quand il veut prononcer, il va avoir les palpitations. Tu vas avoir les palpitations. Donc j'essaie de faire ma part de comparaison, je sais que vous avez dit que non, wow, je suis avec Fatou, je supporte Fatou et tout. Pour ce challenge, je veux être sincère avec vous. Matière transition et tout, Sagaba, il est au faux, il est faux, non. Mais c'est mal, il voit les arguments, non, il y a les applications qui sont déjà pour ça, donc on ne valorise pas les transitions et tout, et tout, et tout. Bon, chacun sa manière, peut-être un expert. Bien, il examine ça, il va peut-être vous dire que non, les transitions là, c'est il y a des applications, c'est pas comme s'il a trop travaillé sur ça. Donc, en tout cas, moi j'ai valorisé d'autres points. Alors, domaine transition, il gagne, il fait tout. Les transitions là, il a trop utilisé les transitions, trop. Jusqu'à elle enlève la tête, mon frère. Yeah. Ça encore quelque chose de mettre ça amène le jeu à un autre niveau, enfin oui. Le fort de Fatou, sa manière naturelle de faire les choses, les tenues, très jolie. Non, il donne ce domaine et il a fouetté. Ça grave. Les tenues sont et puis sa beauté encore. Aïe, vous avez vu. Surtout quand il se met en tenue bleue là, la tenue bleue là. Yeah. Mon combat, la tenue bleue qui est une jupe comme ça, bleu avec dos. La famille, c'est là où elle a fini avec. Donc sa beauté vient toujours, comme dans toute sa beauté, sa manière naturelle, la manière de faire le WCG, ça vient toujours. C'est comme ça qu'elle faisait elle concurrençait l'autre, comme on appelle Lyrus, soit Lyrus Motasi, soit. Rosine Gengen, c'est ce côté-là qui fait ce qui mettait du, qui prenait du le dessus, qui faisait qu'elle gagne toujours ces gens-là. Pourquoi? Quand elle mélange sa beauté, avec sa manière très naturelle, très authentique de faire les choses. Et j'ai remarqué qu'au fur et à mesure qu'elle fait le challenge, elle s'habitue déjà au monde de ça. Donc ça fait ça sort là, c'est comme si c'est le forme naturelle, c'est comme si, donc je vais parler, c'est comme si maintenant on n'a plus besoin même de beaucoup faire les essais pour réussir certaines choses. C'est comme si ça vient déjà. Je ne sais pas, je suis pas dans son équipe technique qui prépare tous ces trucs là, parce que c'est toute une équipe qui fait tout ça. Je ne pensais pas que c'est simple. Hein. Il faut toute une équipe. Oui, pour faire les trucs, vous voyez les millions de vues, vous pensez que c'est quoi? C'est toute une équipe derrière ça.
Vous avez placé votre téléphone là, vous faites wow, vous pensez que vous allez aussi avoir. Non, non, non. Le vrai challenge, oui, c'est toute une équipe. Ouais. Donc, vous comprenez un peu. Les gens me disent, demandent souvent, ça sert à quoi alors de faire les challenges? Pourtant, les challenges ne monétisent pas. Personne ne fait des chansons déjà. Mais ça fait alors à gagner, faire que ta page puisse gagner de popularité. Et maintenant, les gens peuvent te saisir pour faire le truc, le challenge. Les gens peuvent te saisir. Un musicien peut te contacter. J'ai sorti une chanson. Il lance le challenge sur TikTok. Maintenant, il te contacte. Il dit, comme tu es célèbre, tu fais bien le challenge. Fais-moi le challenge là. C'est le jet qui entre. Vous comprenez pas ça? C'est ça. Moi, ceux qui font, oh, ils font les tenues. Oh. Ça, c'est son but. Ils savent ce qu'ils font. Donc, sur ce, moi, je vais donner ma voix victoire à Fatou. Vous avez dit non, je suis. Non, hé. Fatou est trop belle. Non, celui-là est non. Celui-là, Sagaba, tu n'es pas belle comme Fatou. Oui. C'est que tu es un bel homme, mais tu n'es pas belle comme tu vous comprenez. Non, je ne suis pas une télé. C'est pour dire que je ne suis pas une télé. Donc, moi, je suis avec Fatou. Donc, racontez ce que vous voulez. Je suis avec Fatou. Fatou a gagné, c'est tout. Mais le combat était rude. Oui, elle était très proche. Ah, ouais. La famille, félicitations à Fatou. Ouais, parce que sa page fait que vous voulez, elle mène à 4 400 000. Personne, je suis qu'après ce challenge là, demain on va vous appeler. Je vais faire une vidéo, vous allez voir, je vous dis, elle est à 4 500 000. Après 4 600 000, c'est comme ça. C'est comme ça. Ça ne blague pas. Ces gens-là ne blaguent pas. Arrivé à un niveau là, les trucs là, au moins, c'est même pas centaines, je ne sais pas. Et en passant, ce Sagaba, il a 2 400 000 abonnés. Ouais, non, c'est pas aussi un petit, hein. C'est pas un petit. Là, 2 400 000 abonnés. On se prend à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et félicitations à toi et Fatou. Félicitations. Bisous et à sa prochaine. Ne mettez pas les organes.